Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier opus de Birdie Crusade Classique, à savoir le patch de la Fureur du Puits de Soleil. Donc, dernier patch de Birdie Crusade, paradoxalement, c'est aussi le premier contenu sur la Légion Ardente. Oui, pour une extension appelée Birdie Crusade, hein, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, mais un patch qui se veut être la Croisade Ardente, hein, pour écho à la Légion Ardente. Eh bien, c'est le premier patch véritablement centré sur la Légion. Et ça se passe pas en Outre-Terre, hein, pour une extension sur l'Outre-Terre. Ça se passe tout simplement en Kel'Danas. Donc on retrouve la Kel'Danas, hein, en ruine infestée de morts vivants, où les elfes de sang ne peuvent pas vivre. Comme à Warcraft 3, bien sûr, hein, dans l'optique de respecter le lore, l'histoire. Comment? Non? Non, Kel'Danas est comme Kel'Thalas, en fait, restauré, il y a quasiment plus de morts vivants, tout va bien. Ils ont pu reconstruire tout. Ah d'accord, bon bah en fait, non. Apparemment, c'est assez proche visuellement de Silvermoon en même temps, hein, il fallait pas trop s'emmerder. C'était compliqué de refaire des textures, tout ça, tout ça. Donc au final, c'est quoi le scénario de ce patch? Et bah en fait, il y a le vilain très très méchant Kel'Thas que l'on avait fracassé dans le donjon de la tempête. Et oui. Vous rappelez-vous, hein, dans la vidéo sur les seigneurs de l'Outre-Terre, eh bien en fait il avait annoncé publiquement son plan très très méchant, qu'il reviendrait, hein, pour se venger bien sûr, et que tout ceci n'était qu'un contre-temps. Eh bien on apprend en fait dans ce patch-là qu'il a été ressuscité par une démon, et alors comment, ça on sait pas trop, mais apparemment elle lui a mis un coup de gangre défibrillateur. C'est pour ça qu'on conserve, regardez, au niveau du torse, hein, il a un truc enfoncé dans le torse, on sait pas trop ce que c'est. Mais c'est probablement le gangre défibrillateur directement. Si jamais il a un petit souci au niveau cardiaque, et bah boum, instantanément il est ressuscité. Et au final, il va obéir donc à son vrai maître Kil'jaeden, hein, il nous l'avait révélé lors de son plan vraiment de très très méchant. Donc maintenant, eh bien, il va l'écouter, il va bosser pour lui. Oui, oui, il va bosser, hein, je le rappelle, pour le responsable de la création du Roi Lich, qui est également responsable de l'invasion de la Légion Ardente, avec tout d'abord l'invasion des orques qui avait ravagé Kel'Thalas et Silvermoon, enfin pas Silvermoon, Kel'Thalas à Warcraft 2 lors de la Deuxième Guerre, mais comme il est le responsable de la création du Roi Lich et que son plan consistait à utiliser le fléau mort-vivant pour anéantir l'Alliance, eh bien c'est également ce fléau mort-vivant qui avait anéanti Kel'Thalas et massacrer son peuple à hauteur de 90% de la population. Donc oui, il est le grand architecte de tout ça. C'est lui le responsable. Mais du coup, bah, pas de problème. Hein. Kel'Thas, évidemment, va l'écouter, c'est normal. Puisque ce sont tous les deux de très grands méchants. Ce qui est intéressant également, c'est que pour pouvoir amener du coup Kil'jaeden dans notre monde, hein, petit écho à Warcraft 3, hein, Archimonde, son frangin, fallait le ramener, ça demandait beaucoup d'énergie. Eh bien, on va avoir besoin du Puits de Soleil. Puits de Soleil qui avait été souillé, hein, il avait été détruit lors des événements de Warcraft 3. Donc comment on fait? Eh bien, en fait, le Puits de Soleil, il n'existe plus. Parce que il avait d'abord été le réceptacle pour pouvoir ressusciter Kel'Thuzad à Warcraft 3. Et ensuite, il avait été redétruit par Kel'Thas entre Reign of Chaos et Frozen Throne dans l'univers étendu. Le principe, c'est que comme le fléau avait souillé le puits, le puits était gangréné d'énergie nécromantique, et donc eh bien, les elfes commençaient à mourir, à commencer à dépérir, en partie à cause du puits. Il y avait la soif de magie et en plus à cause du puits. Donc Kel'Thas avait détruit ce qui restait du puits pour que justement ça ne se répercute pas sur sa population. Mais les énergies magiques positives en fait ont été sauvées dans ce qu'on appelle la trilogie du puits solaire, hein, des mangas. En fait, on apprend que Crassus, hein, transformé Corialstraz, le consort d'Alexstrasza, un dragon rouge, eh bien, avait sauvé les énergies magiques positives et les avait transformées en humains, en un être humain. Et même pour être exact, comme vous le voyez, une être humaine. Donc, au final, eh bien, cet être humaine s'appelle Anvina Tig. Et Anvina, eh bien, a été capturée en hors-champ, bien entendu, hein, à Burning Crusade. Du coup, eh bien, on va servir de la demoiselle pour pouvoir récupérer son énergie afin de reconstituer le puits de soleil, pour pouvoir servir de catalyseur, de portail, afin de ramener Kil'jaeden.
Alors c'est pas si bien expliqué hein, malgré tout dans le jeu, mais voilà, c'est un petit peu à ça que ça sert. Donc c'est pas vraiment dit in-game, mais bon, on comprend. C'est du fan service bien sûr à Warcraft 3 avec l'invocation d'Archimonde à Dalaran, ainsi qu'un petit clin d'œil du coup bah, à Kel'Thuzad et la cérémonie pour ressusciter Kel'Thuzad. Sauf que là, c'est directement pour invoquer pas Archimonde mais Kil'jaeden. Et parce que je rappelle que le processus c'était d'abord de ressusciter Kel'Thuzad en serrant du Puits de Soleil. Et grâce à ça, Kel'Thuzad pourrait faire venir Archimonde sur Azeroth. Donc en fait, il y a aussi un autre hommage qui est un peu plus... Enfin, il n'est pas subtil, mais en fait, peut-être qu'il a échappé à beaucoup d'entre vous. C'est un clin d'œil à la Guerre des Anciens. Eh oui, parce qu'en fait, dans la Guerre des Anciens, on a le Puits d'Éternité, qui est gigantesque, qui est contrôlé par Ash'Shara et les Elfes de la Nuit il y a 10 000 ans. Et au final, il va servir de portail pour faire venir Archimonde, il va servir de portail pour faire venir Manoroth, et également à la fin pour essayer de faire venir Sargeras directement sur notre monde. Sauf que, bah en fait là, c'est pas le Puits d'Éternité. Alors vous allez me dire, oui, c'est un petit peu le descendant du Puits d'Éternité, puisque le Puits de Soleil, c'est des gouttes du Puits d'Éternité à la base. Ouais, enfin, je rappelle quand même que le Puits originel, il a pas pu invoquer Archimonde, hein. Le puits de soleil originel, c'était pour ressusciter Kel'Thuzad. Parce que si c'était aussi simple, il suffisait directement de faire venir Archimonde depuis le puits de soleil. Donc, ça avait pas marché. Sachant que c'était un puits de soleil qui était bien plus présent en termes de magie que maintenant. Là, on a un puits de soleil Wish, on a un puits de soleil avec une partie des énergies magiques d'antan, pas aussi rayonnant qu'à Warcraft 3. Mais au final, hein, wink wink, Sargeras, hein, le petit clin d'œil bien sûr, hein, à la Guerre des Anciens, tout ça, sauf que cette fois, c'est Kil'jaeden qui arrive. Et vous allez voir que le clin d'œil, il est encore plus vicelard que ça, j'en parlerai plus tard. Au final, pour lutter contre cette menace hein, que l'on a appris on ne sait comment, parce que bah n'oublions pas que Kalta certes avait annoncé publiquement qu'il reviendrait, mais on sait pas où, donc il frappe très rapidement Kel'Danas, mais on sait pas comment, mais on a appris qu'il y avait... On a appris leur invasion, tout ça. C'est censé être quelque chose d'assez rapide au final, mais là, eh bien, on a eu apparemment... Alors, il y a des espions, etc. Les quêtes parlent d'espions infiltrés, mais bon, les espions infiltrés, ça me fait un petit peu marrer, hein, comment ils ont réussi à s'infiltrer là-dedans. Et surtout, en fait, il y a du coup un nouvel ordre qui va être créé, spécifiquement pour ce patch, c'est l'apparition de l'opération Soleil Brisé. L'opération du Soleil Brisé, qui est en fait une union de l'Aldor et des clairvoyants, deux groupuscules que je vous avais déjà évoqués. L'Aldor, hein, des combattants de Draenei, qui respectent la volonté d'un Naru Adal. Et de l'autre côté, les clairvoyants, hein, qui sont dirigés par Vorenthal, qui avait fait sécession auprès de Kaltas, et qui est donc sont des elfes de sang qui obéissent au Naru. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, Ishana, la chef de l'Aldor, et Vorenthal, chef des clairvoyants, n'apparaissent pas du tout dans ce patch, et aucun des PNJ de l'Aldor et des clairvoyants ne sont utilisés. En fait, on va créer plein de nouveaux randoms, hein, plein de Marcus Jonathan, qui vont être présents, et des mecs qu'on n'a jamais croisés, qui ont été créés spécifiquement pour ce patch, et qui ne seront plus jamais réutilisés. Sachant que c'est quand même, à la base, deux ordres qui sont foncièrement opposés. L'Aldor et les clairvoyants, si vous avez joué un petit peu à Burning Crusade classique, ou Burning Crusade tout court, vous savez que l'Aldor et le clairvoyant, ils peuvent pas se pifferer. Là, si vous gagnez de la réputation pour l'un, vous en perdez pour l'autre, etc. Ils peuvent pas se pifferer. Puis bon, on peut pas trop en vouloir aux Draenei, hein, parce que bon, les Draenei se sont fait pas mal massacrer par les elfes de sang. Vous le voyez dans le pexing, etc. Donc, ils peuvent pas se saquer. Mais là, ils vont mettre tous leurs différents côtés en un patch pour pouvoir collaborer ensemble. Et regardez, ils ont les mêmes armures, ils ont des tabards assez dégueulasses, hein, d'ailleurs. Et ils sont tout chatoyants en armure rutilante, hein, ils sont magnifiques. Parfait pour la bagarre, prêt pour la bagarre. Mais ce qui est intéressant, c'est que vu que on pourrait se dire, bon, vu la menace, on met ses différents côtés, on y va, etc. C'est un petit peu écho à Warcraft 3, l'invasion d'Archimonde, l'Alliance Lord mettre leurs différents côtés, etc. La différence, c'est que c'est pas fait en un patch et pas au bout de deux voice lines. Il y a eu, il y a eu un petit peu de précédent entre. Entre l'Alliance et l'Ordre, ça s'est pas fait comme ça en deux jours, quoi. Là, ça se fait en un patch. Et la menace, elle est tellement sérieuse, hein, qui force tout le monde à s'unir, que Kil'jaeden pourrait détruire notre monde. Et bien du coup, on nous envoie partout en Draenor pour faire des courses, hein. On rappelle l'urgence de la situation. Il faut absolument arrêter l'invocation de Kil'jaeden. Mais au final, eh bien,
On a des informations en béton en plus, hein. On sait que c'est Kit Jaylen, on pourrait se dire qu'on sait pas trop quel est le plan de Kelta, c'est bien là si. Donc on a des informations en béton, mais on nous envoie aller faire des courses partout en Draenor. Eh oui, c'est les journalières, hein. C'est les quêtes très intéressantes d'époque, bien entendu, c'était mieux avant. Du coup, eh bien, on va vous envoyer un peu partout, on va vous envoyer récupérer de l'essence, de Wyrm, de mana dans les tranchantes, hein. Ce qui est génial, c'est qu'il y a des Wyrm de mana à Kel'Danas, on t'explique, on justifie que c'est pour pouvoir tenir les portails suffisamment longtemps pour amener les armées. Dommage, il y avait des Wyrm de mana en Kel'Danas, mais bon, ça aurait été trop facile de les fermer directement là-bas, donc on t'envoie dans les tranchantes, à l'autre bout. Hein, les mecs, j'imagine, ils mettent des mois à aller jusqu'au bout, à ramener leur essence pour ouvrir le portail, pour maintenir le portail. Ah, je les vois bien arriver comme des cons, et en fait, le portail, il s'est fermé parce que bah ils ont mis trop de temps à aller jusqu'aux tranchantes. Mais bon, ça, évidemment, ce sera mis de côté. On découvre également, du coup, il y a plein de quêtes à la con pour vous justifier de partir un peu partout dans l'Outre-Terre. Parce que sinon, on aurait tendance à oublier que c'est une extension de l'Outre-Terre, mais qui n'est pas en Outre-Terre. Du coup, on vous envoie aussi à Nagrand, il y a une espèce de gobelin complètement taré qui a des lunettes, des lunettes transmophasiques. Enfin, il voit des trucs, des anomalies, machin. Donc ça va nous aider, le mec, même le donneur de quête, il n'y croit pas une seule seconde, il te dit non, mais ça n'a aucun sens, qu'est-ce que c'est que cette merde. Mais bon, on m'a confié la tâche de faire tout ce qui est mon pouvoir pour renforcer l'opération, donc peut-être que ça vaut le coup. Genre même le mec, lui, il n'y croit pas, il prend le gnome pour un fou, mais on va quand même faire la quête. Et ce qui est génial, c'est que du coup à Kel'Danas, il y a aussi des petites journalières, des petites quêtes. Et là, on apprend qu'il y a des nagas, comme vous le voyez, hein, sur la côte est de Kel'Danas, qui récupèrent du minerai, le stock dans des coffres, qu'ils expédient à la Légion. Et là, c'est génial, parce qu'en fait, on pourrait dire, bon, bah, c'est des nagas Illidari, tout ça, tout ça. Non, non, non. Il y a deux clans nagas différents sur Kel'Danas. Il y a les Glissantai, ou je sais pas quoi, là, les Glissekai, qui sont les nagas de Dame Vache. Alors, pourquoi ils ont décidé de suivre Kel'Thas, qui a trahi Illidan et les Illidari? Ça, c'est une excellente question, hein. On n'aura pas la réponse dans le patch. Et il y a une autre, il y a d'autres nagas que vous voyez, ce sont les Sombrechines, hein, des noms incroyables, qui sont des nagas locaux et qui bossent pour la Légion Ardente, qui commercent avec la Légion Ardente. Alors ça, extraordinaire, hein. Évidemment, ce n'est pas dans Chronicles, on n'aura jamais de détails sur ces arrangements. Évidemment, pas du tout dans ce patch. Ensuite, donc je vais pouvoir vous présenter, puisque ce patch amène un donjon et un raid, donc on va pouvoir vous parler du donjon, hein, qui sert un petit peu de teaser pour le raid. Et ce qui est génial, c'est que du coup ce donjon qui sort en parallèle, on se demande un peu pourquoi c'est pas directement intégré dans le raid. Ça fait un truc un peu bizarre, une sorte de teaser du raid, mais en donjon, et du coup le boss final de ce donjon c'est Kel'Thas. Kel'Thas qui du coup n'est pas présent pour invoquer Kish Zaiden. Ça fait un peu tâche parce que bah, c'est censé être quand même un des archimages les plus puissants de l'univers de Warcraft. On aurait tendance à se dire qu'on a besoin de lui pour l'invocation de Kil'jaeden, mais en fait pas du tout. Donc on perd aussi un petit peu l'écho avec Kel'Thuzad qui invoque Archimonde, là ça aurait été Kel'Thas qui invoque Kil'jaeden, mais là pas du tout, pas du tout. Et au final, bah, c'est vrai que la terrasse, elle apparaît vraiment, on se dit mais pourquoi elle est pas, pourquoi c'est pas juste intégré dans le raid. On y reparlera après, il y a très peu de boss dans le raid en plus, donc c'est un petit peu dommage. En tout cas, je vais pouvoir vous présenter un petit peu les différents personnages, les différents boss de ce donjon. Nous avons Céline Fireheart, j'y reviendrai un petit peu après, donc je vais pas rentrer trop en détail. Vexalus, qui est une sorte d'élémentaire arcanique qui a pété un plomb et qui est en train de drainer la vie de tout le monde. Donc bon, la puissance arcanique est en train de virer au vert, hein, bien sûr. On a Kel'Thas, comme je l'ai dit. On a la démon que j'ai évoquée, la prêtresse d'Elrissa, qui est tout simplement en fait celle qui a ressuscité la démon random créée pour le patch qui a ressuscité Kel'Thas. On a ses suiveurs, hein, qui sont à côté et je vais en reparler juste après. Sachant qu'il y a aussi des randoms, on a foutu des éthériens, voilà, il y avait des négociants un peu. Ouais, ils étaient là pour le commerce, c'était incroyable. Donc, pour commencer, on fait la rencontre du premier boss, Céline Fireheart, qui est tout simplement le représentant des Gangrelfs. Alors les Gangrelfs, c'est quoi? C'est la nouveauté de ce patch, ça n'existait pas avant. Ce sont des elfes de sang qui ont été bénis par Kil'jaeden, puisqu'ils sont restés fidèles à Kel'Thas, qui a trahi les Illidari, et du coup qui a trahi, enfin qui reste fidèle tout simplement à la Légion Ardente. Enfin qui a plutôt une nouvelle légitimité, une nouvelle allégeance à la Légion Ardente. Mais du coup les elfes restés fidèles à Kel'Thas se voient octroyer cette bénédiction. Ils ont accès au sang démoniaque. Donc en gros, c'est des elfes de sang qui auraient bu du sang démoniaque. Et on les croise à la péninsule et à Kel'Danas.
il sirote des cristaux, hein, bien sûr, des cristaux de mana, comme vous le voyez à la couleur. Rien de bien méchant, hein, tout est parfaitement légal, des cristaux de mana. Hein, le feu qui est à l'intérieur, c'est juste qu'il est chaud, quoi. Il est chaud, hein, quand on frotte un peu trop le cristal, il verdit et il est chaud, quoi. C'est des petits cristaux de mana. Rien de bien méchant, rien d'illégal, évidemment. Ensuite, nous retrouvons les Power Rangers avec Delrissa, hein, comme je le disais, la random démon créée pour ressusciter Keltas le très méchant. Alors là, on a une vibe assez nostalgique, Illidari. Alors que ce groupuscule fait partie de la Légion Ardente, hein, je le rappelle. Donc, du coup, on a la prêtresse Delrissa qui est accompagnée d'Apoko. Apoko qui est un roué. Alors pourquoi des roués suivraient la Légion Ardente, on se pose la question. On a Kagani Heure de Nuit qui est du coup un elfe de sang. Seigneur de guerre Salaris qui est du coup un myrmidon naga. Et enfin Garaxas qui est tout simplement un satyre. Et en fait, si vous remettez les pièces dans le bon ordre, ça vous donne quoi? Ça vous donne en fait le quatuor Illidari originel de Warcraft 3. Akama, Keltas. Donc vous avez un roué Draenei Akama qui représente Akama. L'elfe de sang qui représente Keltas. Vous avez le naga qui représente Dame Vache. Et les satyres qui étaient des. Certains satyres étaient fidèles à Illidan après la défaite de la Légion Ardente. Et du coup, Delrissa, donc la Shivara, la démon Shivara, qui a une peau violette et qui a un style assez asiatique, aurait le rôle un petit peu d'Illidan, hein, plus grand, et qui lead le groupe. Ce qui est génial, donc un petit clin d'œil du coup aux Illidari de Warcraft 3. Le truc, c'est que, encore une fois, les Illidari, ils ont été complètement détruits à Burning Crusade, où chacun se trahit mutuellement, etc. Donc ça, c'est génial. Les clins d'œil qui n'ont aucun sens, comme ça, c'est quand même formidable. Ensuite, on va avoir les retrouvailles avec le légendaire prince Keltas et ses discours riches en philosophie et surtout en opium. Il a d'ailleurs perdu un orbe dans l'histoire. Vous savez, il y a trois orbes verts qui gravitent autour de Keltas. Bien là, c'est, en fait, si vous comptez, il n'y en a que deux. Donc est-ce que le troisième, donc voilà, n'hésitez pas si vous le retrouvez, hein, mettez-le dans les objets perdus parce que il l'a perdu. Alors est-ce que ce serait le cristal en son cœur? Il n'y a jamais eu de raison, on n'en sait rien. Et il a également un bonnet de bain, peut-être qu'il avait besoin d'aller à la piscine ou carrément il voulait se baigner dans le puits de soleil. Peut-être, c'est possible. En tout cas, donc il a un nouveau modèle pour montrer qu'il a été ressuscité, donc il n'est pas tout à fait très très bien, hein, il n'a pas l'air en bonne santé. Il dit n'importe quoi en plus, hein, ne prenez pas un RCC. Alors ça c'est les voice lines extrêmement connus, bien sûr, hein, parce que c'est devenu un mème, hein, tellement c'est de la merde. Ne prenez pas un air satisfait, je sais à quoi vous pensez, mais le donjon de la porte tempête n'était qu'un petit contretemps. Croyez-vous vraiment que je confierais notre avenir à un aveugle, un bâtard demi-elfe de la nuit? Là, il est vraiment, il en a gros sur la patate. Oh non, c'était qu'une étape vers un projet plus global, c'est ce qui nous amène ici, blablabla, blablabla. Et cette fois, vous ne vous en mêlerez pas. Spoiler, on s'en mêle et on le déglingue. Et à la fin, il dit, vous ne pourrez rien faire contre Kil'jaeden, blablabla. Donc voilà, pendant le donjon, on a une vision où il y a justement, on voit un petit peu ce qui est en train de se passer dans le puits de soleil. Il y a Kalegos qui fait une apparition et qui nous dit, bon les gars, votre donjon c'est bien mignon, mais on s'en fout. La vraie importance, c'est le puits de soleil. Et c'est là qu'on se dit, mais attendez, le raid, si vous regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boss. Et on se dit, mais en fait, pourquoi ils n'ont pas fusionné le donjon et le raid pour faire un gros raid en fait? Et c'est vraiment très très étonnant, il y a vraiment une incompréhension d'avoir split ça en un donjon et un raid. Du coup, si tu fais le raid directement et pas le donjon, tu loupes la moitié, l'histoire, enfin, le peu d'histoire qui est présent. Donc c'est vraiment très très bizarre. Et du coup, dans le raid, on essaye de pas faire trop démons. Donc on rajoute un dragon, on rajoute un Naru, et on rajoute même des morts vivants. Parce qu'en fait, il y a la Malbrèche, bien sûr, jusqu'à Kel'Danas. Et du coup, il reste des morts vivants. Mais vous verrez que là, c'est encore différent. C'est pas un mort vivant qui date de Warcraft 3. On en reparlera juste après. Donc, comme je le disais, on l'a rencontré Kalegos à la terrasse, hein, qui nous racontait ce qu'il fait là. C'était la petite ref au manga de la trilogie du Puits Solaire, comme que j'évoquais avant. Il se fait capturer et manipuler par un Atrezim, donc un seigneur de l'épouvante, un démon. Démon qui est versé dans les arts de la nécromancie, tout ça, tout ça. On affronte Kalegos, et ensuite, dans la deuxième phase, on arrive à rentrer dans la tête de Kalegos et on voit qu'il est en train de lutter contre Satrovar, le corrupteur, le seigneur de l'épouvante. Donc on va l'aider pendant le combat. Eh bien, il y a Kalegos en forme de dragon corrompu qui nous dit qu'il sous-entend que c'est Maligos qui l'a envoyé. Hein, il dit « Je ne serai plus jamais l'esclave de Maligos, osez me défier, vous serez détruit. » Évidemment, on ne sera pas détruit et on a osé le défier, on ne sera pas détruit.
Donc juste après, on bat Satrovar. Donc Caligos s'est libéré et il s'envole. Et il nous dit vite, faut aller sauver Andvina, blablabla. Puisque Caligos entretient une liaison avec Andvina, hein, c'est... ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Et au final d'ailleurs, Andvina qui a les traits d'une humaine et pas d'une elfe, alors que c'est le puits de soleil qui appartient aux elfes quand même. Pourquoi? Bon, on sait pas, ça c'est le manga qui a pris des petites libertés, on sait pas trop. Au final, se pointe à ce moment-là une random dragon bleu qui a été créée spécifiquement pour le patch, qui s'inquiète de Caligos. Elle s'appelle Madrigosa. Alors, espèce de connasse, tu viens de le voir s'envoler en fait. Mais bon, il y a un petit souci, on en reparlera juste après. Au final, elle affronte un seigneur des abîmes appelé Brutalus. Ouais, un nom vraiment original. C'est une brute, donc tu rajoutes Alus et voilà Brutalus, qui est une sorte de Sumanoroth ou Sumacteridon globalement. Et en fait, bah, ils se foutent sur la gueule. Et finalement, Brutalus tue la dragon bleue. Alors ça, clairement, c'est cool pour pouvoir montrer un peu que bah, Brutalus, il rigole pas. On va buter Brutalus. Et en fait, en butant Brutalus, il y a son sang qui coule jusqu'au cadavre de la dragon. Et là, eh bien, ça fait des chocs à pic, hein, bien sûr. Parce qu'en fait, le sang du seigneur des abîmes, au contact du cadavre du dragon bleu, va la ressusciter en Wyrm des glaces. Oui, du sang d'un seigneur des abîmes au contact d'un dragon bleu va la transformer en Wyrm des glaces. Ça choque personne, ça. Ça choque personne. Normalement, il faut de la nécromancie extrêmement puissante pour pouvoir relever un dragon bleu en forme de Wyrm des glaces. En plus, bah, du coup, là, c'est même pas un Wyrm des glaces. Et au final, genre, bah, c'est pas comme ça que ça marche la nécromancie, bordel. Un nécromancien, il doit être très puissant, il doit avoir fait pas mal de trucs nécromantiques pour pouvoir relever la bestiole, en fait. Et la bestiole, du coup, qui va obéir à ses ordres. Là, le mec qui la ressuscite, il est déjà crevé. Donc la dragonne, elle se revient en Wyrm des glaces et elle est en mode, pour qui le Jaiden? Mais connasse, t'es même pas contrôlé, genre, qu'est-ce que tu fais? Oui, parce qu'elle obéit vraiment à... elle obéit vraiment à Kill Jaiden. Et en plus de ça, quand elle meurt, elle dit qu'elle est... elle reste fidèle à Kill Jaiden. Il n'y a même pas de « Ah, oh, vous m'avez libéré, merci, héros ». Non, 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 elle est en mode « Vive Kill Jaiden, j'adore sa peau rouge, superbe, ça me rappelle la fois où j'ai couché avec un dragon rouge ». Non, pas du tout. Bon, ça, elle le dit pas. Mais t'es en mode « Mais pourquoi, en fait ?» Ça n'a aucun sens. Hein. Nécromancie, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Mais bon, c'est le fanservice, il y a une Wyrm des glaces à Kel'Thanas, ça rappelle Warcraft 3, blablabla. Ce qui est marrant aussi, parce qu'il n'y a pas de Wyrm des glaces à Kel'Thanas, vu que tu l'es débloqué en Alterac. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous apprend en crevant que c'est Maligos qui semble envoyer les bleus. Et oui, après leur bagarre, eh bien, elle dit justement, Maligos, seigneur, j'ai fait de mon mieux. Et là, ça sous-entend quelque chose de très important, c'est qu'en fait, bah, c'est Maligos qui a envoyé Caligos et Madrigosa. Donc, on en reparlera... on en reparlera plus tard, hein. Enfin pas maintenant, mais on en reparlera dans d'autres vidéos. Maligos, qui a l'air plutôt sympa, il essaye de protéger le monde, hein, du coup. Et il y a vraiment un souci d'ordre de boss dans ce raid. Vraiment un gros problème, parce que bah, sur le papier, Madrigosa elle est censée avoir vu Maligos s'envoler puisqu'on l'a libéré. Elle demande pourquoi, où est Caligos, où on retient Caligos, etc. Alors que bah, il vient de s'envoler. Et elle s'inquiète pour Andvina. Finalement, bon bah, c'est... elle meurt... enfin, en plus, c'était débile. Genre, il suffisait tout simplement de la voir venir en premier et s'inquiéter pour Caligos. Au final, on la bute. Enfin, elle se fait buter par Brutalus. On bute Brutalus. Là, à ce moment-là, il y a Satrovar, le Natrezim, le Seigneur de l'Épouvante, qui débarque. Qui aurait fait « Ah ah ah, je suis vraiment méchant ». Il ressuscite la Wyrm des Glaces et il dit que de toute façon, elle pourra... elle va servir la Légion Ardente à partir de maintenant et que de toute façon il détient son précieux Caligos, etc., etc. On bute la Wyrm et ensuite on enchaîne avec Caligos et Sartrovar. Ça aurait été beaucoup plus logique. Là, ça n'a vraiment aucun sens et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait un peu pique-nique douille dans l'ordre des boss. Ça n'a vraiment pas de sens. C'était pas bien compliqué de faire un truc cohérent, quoi. Ensuite, on rencontre un des boss les plus iconiques qui a profondément marqué les joueurs. C'est les jumelles Eredar. Donc un double boss. Et on se demande pourquoi, hein, évidemment, elles ont marqué les joueurs. Hein. Hein, elles ont des arguments, les demoiselles, hein, bien entendu. Alors, sachez que c'est un modèle unique qui a été vraiment créé pour ce boss-là. Plein de persos qui n'auront pas eu de modèle unique, mais c'est de là, si, un modèle unique. Hein, pour pouvoir
qu'on puisse, voilà, je sais pas moi, regarder un peu mieux leur courbe probablement. Donc au final, il y a Archimondette et Kil'jaedenet. Oui, parce que vous allez pas me faire croire que j'ai pas la ref, hein. Une bleue avec des yeux verts et une rouge avec des yeux chelous, qui sont toutes les deux des seigneurs Eredar, blablabla, qui sont là pour la destruction. Ouais, on a compris que c'était Archimonde avec un vagin et Kil'jaeden avec un vagin, ça va, j'ai la ref. Donc elles servent à rien, mais comme elles sont bonnes, ça fait des bons souvenirs. Ouais, ouais, c'était l'inclusivité selon Blizzard à l'époque. Probablement designé lors d'une soirée Vegas, hein, évidemment. Ensuite, on recroise des gangrelfes qui semblent pas fumer que la moquette. Hein. Bah déjà, il y a des narguilés qui semblent pas être alimentés avec du tabac. Et en plus de ça, bah il y a des jolis cristaux arcaniques. Hein. Monsieur l'agent, rien d'illégal, voyons. Oui, oui, parce que les cristaux gangrénés à l'époque, ils étaient verts, rouges, hein, ils avaient plusieurs couleurs. Hein, ça, c'était l'intérêt. La Légion Ardente a baissé, il n'y avait pas que du vert. Mais du coup, bah voilà, hein, ils siphonnent plein de trucs. Ils ont l'air calmes, ils ont l'air doux, ils ont l'air soyeux. Absolument rien d'illégal, c'est des cristaux de mana, bien sûr, évidemment. Pas de problème à ce niveau-là, les elfes de sang. Et ensuite, au milieu d'une terrasse, on croise Mourou. Alors Mourou, c'est un Naru qui s'est fait siphonner par les paladins elfes de sang. Donc les elfes de sang connaissent bien Mourou, parce que c'est celui qui siphonnait en permanence pour avoir leur pouvoir de la lumière. C'est tout simplement le justificatif pour expliquer pourquoi il y a des paladins elfes de sang, en fait. Alors ce qui est génial, c'est que Mourou, du coup, c'est un personnage qui est extrêmement important pour leur elfe de sang, mais il dit rien du fight. Il y avait visiblement pas de sous pour le, enfin, il y avait plus de sous pour le doublage, je pense. Accessoirement, pour avoir refait le raid, il est absolument immonde en VF, hein, sur le patch. C'est terrible. Et je parle pas de Mourou, hein, du coup, hein, je parle de globalement tout le monde. Hein, Caligos, il a une voix, c'est très nanardesque, hein, les doublages. Pourtant, j'adore la VF, hein, mais alors là, sur ce patch, c'est immonde. Perso super important qui, du coup, quand on le bute, bah, il se transforme en Anthropius, donc une espèce de démon du vide. Je rappelle qu'à l'époque, le vide était associé à la Légion Ardente. Hein, allez voir la vidéo, bien sûr, sur le sujet. Et au final, bah, il est mouru et il dit rien du tout. Donc voilà, le Naru est mouru. C'est un petit peu triste, on pleure, blablabla. Non, en fait, on s'en fout. Et on arrive enfin au puits de soleil, sans Kel'thas, évidemment. Là, il y a des Archimondes avec épaulettes oranges, ce qui montre un petit peu la différence avec Archimondes. Parce qu'eux, ils ont des épaulettes oranges. Hein, c'est juste le modèle d'Archimonde, mais avec un petit reskin sur les épaulettes, ils ont rajouté de la peinture orange pour que ça passe. On y voit que du feu, hein, c'est pas du tout Archimonde. Au final, il y a une grosse vibe Warcraft 3, Frozen Throne et Guerre des Anciens, bien sûr, puisque là, bah, en fait, c'est eux qui invoquent Archimonde et qui le font passer à travers le portail. Et la surprise, hein, donc le grand Kil'jaeden gigantesque de Frozen Throne, bien sûr. Et au final, tel un Sargeras, il n'est pas complètement rentré, complètement sorti du portail, puisqu'il lui reste la moitié, comme Sargeras dans la Guerre des Anciens. Et la surprise, en fait, Burning Crusade, j'avais même oublié ce point, mais Burning Crusade, c'est tellement l'extension des vilains qui trahissent pour être encore plus vilains, qu'en fait, il veut trahir Sargeras. J'avais complètement oublié ce passage. Hein. Ça, c'est vrai que quand on critique, enfin, quand on parle de Burning Crusade, on en oublie cet élément incroyable. Donc, Kil'jaeden qui crie les troupes sacrifiables ont péri. Ouais, voilà, il n'y en a rien à foutre des troupes. Hein. C'est vraiment, vraiment très très méchant. Tant pis. Je vais réussir là où Sargeras avait échoué. Je vais saigner ce misérable monde et assurer ma place de véritable maître de la Légion Ardente. Ce qui sous-entend que bah, il va réussir là où Sargeras a échoué, donc prendre le contrôle de la Légion Ardente. Extraordinaire quand même. La fin est venue, que la dissolution du monde commence. Et là, Caligos débarque et vient nous aider, bien sûr, pour essayer de sauver Andvina. C'est quand même extraordinaire. Hein. Kil'jaeden qui veut trahir Sargeras, c'est même pas parce que Sargeras c'est un gros con ou quoi que ce soit. Non, non. C'est juste parce qu'il est encore plus vilain et lui va réussir, donc c'est vraiment le vrai vilain. Ensuite, du coup, bah, en fait, il y a Andvina qui était utilisée pour invoquer Kil'jaeden qui va se sacrifier pour bloquer l'entrée de Kil'jaeden par le puits d'éternité, par le puits de soleil. Et à la fin du fight, bah, y a Velen qui débarque, hein, il fait son petit Deus Ex Machina, il débarque. Et en fait, il balance les restes de Mourou dans le puits pour restaurer le puits de soleil. Et là, y a Liadrin, donc la chef des Chevaliers de Sang, donc la chef des Paladins Elfes de Sang qui débarque. Elle se repent, elle dit qu'est-ce qu'on a fait? On a condamné aux ténèbres un être aussi pur et bon qu'un Naru, c'est terrible, blablabla. Et là, il y a Velen qui fait un gros discours. En vrai, c'est un peu, il prend un peu tout le monde de haut, ce qui est un peu bizarre parce qu'il est en mode votre puits de soleil, c'est un peu de la merde. Globalement, c'est pas la vraie puissance c'est la foi, hein, globalement c'est ce qu'il dit. Et finalement, bah, il restaure le puits de soleil, qui du coup est un puits de lumière, puisque c'est un Naru qui est mis dedans. Et donc, ça servira de source de puissance stable
pour les elfes de sang afin qu'il n'ait plus besoin de ponctionner ailleurs en fait des énergies démoniaques. Ce qui est drôle parce qu'en fait bah, les elfes de sang ils vont continuer à en faire. Hein. D'ailleurs même le point de départ dans Cataclysme te rappelle que les elfes de sang bah, ils continuent de siphonner un petit peu. Et c'est comme la clope, hein. C'est difficile d'arrêter quand il y a accès. Donc vous voyez encore l'utilisation d'énergie gangrénée chez les elfes de sang, l'utilisation de l'anima Mogu qui est vraiment un truc assez sale qui ressemble beaucoup à de la démonologie à Mist of Pandaria, et il réutilise encore tout ça et la magie du sang même à BFA. Donc la clope apparemment c'est très très dur de s'en passer, les patchs Naru ne suffisent pas. Voilà, Burning Crusade classique c'est terminé. Rendez-vous évidemment pour Wrath of the Lich King classique, le pinacle du lore et de World of Warcraft. En gros le meilleur du meilleur hein, puisque après Wotelka bah, c'est que de la merde. Donc on pourra attaquer en détail avec plaisir évidemment cette extension. C'est Baboulidork, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos sur Burning Crusade. Et on se dit bah, rendez-vous dans le nord, rendez-vous dans la glace. Pensez à prendre vos bonnets, mettre vos skis. Bisous bisous. Oui bonjour cher mortel. C'est Kejaiden qui vous parle. Voilà, regardez, je suis en train de sortir du puits de soleil, là, regardez, hop, j'ai juste... L'invocation s'est mal passée, j'ai une tête de cheval. Alors j'espère bien sûr que vous avez apprécié ces petites vidéos, hein, on a bien rigolé, évidemment. N'hésitez pas, le petit, de suivre, évidemment, les gangres réseaux sociaux, le Facebook, hein, le gangre Twitter, liker cette vidéo, bien sûr. Et ça sera une merveille, hein, de se retrouver, bien sûr, pour Wrath of the Lich King. Je ne serai pas dedans, mais il y a ma marionnette Ner'zhul hein, qui est dedans, bien sûr, le roi Lich. Voilà, à bientôt, je serai là même sans être là. Bisous.